Samedi 28 novembre 2018, le gouvernement en Conseil des ministres endossait officiellement la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. Cette stratégie qui vise à doter la Côte d'Ivoire d'ici 2025 d'un fichier national d'identité biométrique et d'un cadre de référence pour asseoir un système d'état civil fiable a été expliquée à l'ensemble des représentations des églises chrétiennes du pays. Rencontrer les ONG et maintenant nous sommes avec les acteurs religieux pour leur faire passer le message, pour leur expliquer la nouvelle stratégie, pour leur montrer les avancées au niveau législatif, toutes les lois que le gouvernement a prises pour faciliter la déclaration des naissances et aussi le mécanisme opérationnel que l'ONU va déployer pour qu'aujourd'hui déclarer la naissance d'un enfant, déclarer un fait d'état civil, un décès ou lorsqu'on fait un mariage, soit aujourd'hui un acte qui soit le plus proche possible et rentre dans le quotidien des Ivoiriens. À travers cette sensibilisation, l'ONESI souhaite établir un partenariat dynamique avec toutes les parties prenantes de la société civile pour la réussite de ce vaste programme. C'est un message bien perçu par les participants. À l'issue de cette formation, nous, en tant que guides religieux, nous serons donc tenus de relayer cette formation dans tous les endroits, dans tous nos différents lieux de culte, de sorte que effectivement le message puisse donc passer à 100%. Étant donné que nous sommes en contact permanent avec la population, ce serait la sensibilisation, le dialogue, la communication, parler à travers nos activités quotidiennes, de parler de cette stratégie à la population afin qu'ils soient ancrés dans leur mémoire afin de pratiquer cette stratégie-là. La stratégie nationale de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire s'articule autour de 6 axes stratégiques. Il s'agit de la création d'un fichier unique de la population, la réforme du cadre juridique, institutionnel et organisationnel, et le renforcement des capacités de l'infrastructure organisationnelle et humaine.